C'est le matin! Bonjour. C'est le matin pour tout le monde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rien de prévu, je vous le dis tout de suite. Cette vidéo ne sera probablement pas intéressante, mais regardez parce que nous sommes là, donc elle sera probablement intéressante. Nous allons d'abord aller déjeuner, ensuite, on ne sait pas. Vous nous suivez ou pas? À vous de décider. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas terrible du tout, c'est ça qu'on ne sait pas ce qu'on va faire d'ailleurs, parce que c'est beau, hein? L'éclairage et tout, mais on annonce une chose qu'on connaît très bien en Belgique, de la pluie. Normalement toute la journée, mais là il y a un petit rayon de soleil, donc nous allons d'abord aller manger le petit déjeuner, ensuite nous promener à la plage et nous allons nous garer dans une section spéciale handicapée, car Faux ne sait plus marcher. Si vous nous suivez, vous avez vu qu'il y a 2 jours on a fait une excursion dans la gorge de Samaria. Et ça nous coûte que maintenant on a du mal à marcher, surtout le matin. Ça va aller. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il fait mauvais, mais aujourd'hui, personne n'est jeune. C'est pour. Personne n'a faim. Mais non, c'est parce que c'est service handicapé. Ah, c'est un service spécial handicapé. Personne à la piscine, forcément, il fait dégueulasse. Mais c'est pour handicapé aussi. Oh, un être vivant. Good morning. Good morning. Des moulins en béton au fil. Ça picote, hein. J'ai vu ça aller sucré en même temps. C'est bien, je suis fier de toi. Tiens ton choco. Merci. Donc voilà le petit déjeuner gentiment apporté par mon chouchou. Enfin, juste le chocolat, le reste, je me suis dû me servir moi-même. Voilà des petits croissants avec aussi de la confiture artisanale comme un Corfou. Un œuf poché en plastique. Ici, des œufs. Voilà. Alors ici, une salade de fruits, ah si, il y avait, hein. Mais ça t'a goûté. Jus d'orange artisanal aussi, hein, c'est du colorant. Moi. Voilà. J'ai pris du bacon. T'as pris du bacon? Oui. Mais c'est quand même meilleur qu'à Corfou, au moins les croissants sont meilleurs. Est-ce que ça s'appelle un œuf poché, ça? Demande à tes auditeurs, là. C'est un œuf poché, ça, parce qu'on est vraiment con, enfin, vous l'avez déjà remarqué dans les autres vidéos. Mais c'est quoi, c'est le jaune, il est cuit. C'est l'œuf poché ou c'est l'œuf... Au plat. C'est l'œuf poché ou c'est un œuf au plat, cette merde? Non, ça c'est le poché, à mon avis. Donc oui. Parce qu'au début, il pensait que c'était un œuf au plat poché. Ça existe? Dis-moi parce que je... Même en vacances, il cherche après un travail, mon loulou, mon... Ah oui. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui cherche quelqu'un, il est motivé, il est dynamique, il est ponctuel, il est très souriant quand je suis appelé pour un travail. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de quelqu'un ou une offre d'emploi, dites-le dans les commentaires, ça lui fera plaisir parce qu'il cherche vraiment un travail, il n'en peut plus, il veut travailler. Il est courageux, le gamin. Ben oui. Et ouais, parce que c'est un chômeur. Putain, merde. Mais tu peux être poli. Mais ça va, ça fait qu'un mois et demi, là on profite un petit peu, on se fait des petites vacances. J'étais intérim, hein, avant. On se fait des petites vacances. Attention, il est intérim. Et, la boîte est fermée. C'est vrai. C'est à cause de lui. Voilà. Alors je vous préviens, pour tous les âmes sensibles, mes cheveux seront encore moins bien faits que d'habitude. C'est pour vous dire. Donc nous sommes à la plage où il n'y a quasi personne et nous avons décidé de nous mettre à pieds nus, même si Faux n'aime pas. J'ai dit que tu n'aimais pas te mettre à pieds nus. Non. Il n'aime pas ses pieds que je ne vous montrerai sûrement pas. Je n'aime pas les sables. En gros plan, parce que c'est une chaîne qui est regardable par les enfants. C'est ça, moi. C'est des pieds normaux. 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 Regardez, mais l'eau doit être froide et je déteste ça. Attention. Attention. Allez. Bon, tu viens? Par là. On va promener. Ah, ça va être froid. Yeah. Oh mon Dieu. J'adore. Regardez les vagues. J'adore. J'ai fait une vidéo hier soir. Parce qu'hier de la journée, on n'a rien fait grand chose. D'ailleurs, je vous montre un petit peu. Oui, c'était magnifique en soirée comme ça, avec de jolies couleurs, on a fait quelques photos. Oui, alors ne vous inquiétez pas parce que vous voyez qu'on a le même pull depuis un moment, tout simplement parce qu'on n'avait pas prévu qu'il fasse mauvais.
ou plus frais, donc on s'est acheté le pull là pour aller faire les gorges de Samaria. Donc voilà, on l'a remis. Regarde ici les matelas, on dirait des matelas de lit. Assieds-toi, ça a l'air confortable, assieds-toi. Ah si, allez, test. On est bien mis. Nous avons terminé notre tour à la plage et nous n'avons pas d'essuie pour nous essuyer. Et on vient d'apercevoir en dessous de la voiture un truc qui pend bizarre. Voilà les mécanos. C'est quoi? C'est juste de la mousse. Fausse panique. Bon, à l'appartement, et après on fait quoi? Je sais pas, je suis fatigué. Tu veux rester tranquille à l'appart? Non, je sais pas, mais on sait pas quoi faire avec le temps. Mais si, on va trouver, vous inquiétez pas, on va trouver, vous allez voir. Ça va aller au Nulla Park? Au Luna Park. Luna, sachez que c'est le nom de son chien. Elle est... Et pour le moment, elle reste à la maison, elle n'est pas seule. Rassurez-vous, à tous les gens qui protègent les animaux, elle n'est pas maltraitée. Elle reste la plupart du temps avec mon père qui vit juste en dessous. Mais elle est seule quand même la nuit. Et à savoir qu'elle a détérioré une magnifique lampe, un cadre et mon salon. Elle a mangé mon salon. Regardez, je vous montre la photo. Elle a mangé mon salon, cette conne. Je vais la massacrer quand je reviens. Je vais la massacrer. Alors oui, vous allez me dire, bah, elle se venge, elle est toute seule, elle est abandonnée, gnagnagna. Je lui ai dit qu'on l'abandonnait pas avant de partir. Je lui ai dit, Luna, on revient. Ce n'est pas la peine de détruire n'importe où. Elle revient. Enfin bref, allez, on va à la chambre, les gens s'en foutent. Allez, attends tout. Je continue maintenant. Slash, hein? Slash! Bon, allez! Oh, c'est moins bien! Mais là, on est dans la chambre, on regarde Danse avec les stars, dit. On regarde Bilal. Alors, perso, j'aime beaucoup Bilal, mais je préfère avec une perruque et du maquillage. Pas vous? Enfin, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais. C'est Bilal! Bon, allez, on va bientôt se préparer et partir. Alors, ça y est, on a décidé. Quoi? Est-ce qu'on va? On peut se calmer là. Alors, on va où? Ma plage à moi. Non. À El La Fonici. Ben, Fonzi, Fonici, c'est le même. Tu es bien gentil. Désagréable. Oui, il n'y a pas que moi qui suis désagréable. Lui aussi, faut pas croire. Regardez. Oui, je suis désagréable. Je suis un monstre. Bon allez, bref, on va à El La Fonici Beach, une des plus belles plages de la Crète aussi. À 1h30 de route d'ici. Ah, on a oublié de préciser que c'était à 1h30 de route d'ici. Il est 14h30. Comme tu as envie, mais on fait ensuite. On va y arriver. Je t'ai demandé ton avis. Ben, tu m'as demandé de faire ça à 11h30 midi. Mmh. On serait déjà là-bas. Non, après, monsieur a dit, oh non, c'est trop loin, non. Après 2h30, monsieur a décidé de... Bah oui, finalement, il... Vous connaissez le dicton, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ouais. Voilà. Non, je ne suis pas imbécile. Mais justement, on change d'avis, on y va. Non, je suis imbécile. Pas moi qui l'ai dit. Quoi? Rien.
Et la Phoenicia Beach, c'est une plage avec le sable rose, avec une nuance de rose. Vous n'attendez pas à voir, je suis en train de filmer. Donc c'est une plage avec le sable rose, allez voir, c'est joli, il n'y a pas de flamant rose. Enfin, j'espère que c'est joli, j'espère que le soleil va rester parce qu'on n'annonce pas très bon. On verra, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a mon cher? Si, dis-moi quoi? Je pense que c'est le truc que je devais te dire, c'était très... C'était très quoi? Important, mais... C'est quoi, dis-moi? T'as pris les essuies? Non. Voilà. Allez, on s'en va. Puis on continue. Tu veux pas qu'on prenne un maillot et tout? Mais je suis descendu, j'ai mal au pied, tu vas me faire remonter tout? Mais je peux monter moi. Va chercher alors. Ça te donne le jeu. On a fait un petit arrêt. Il avait soif, il n'a pas bu depuis le matin. Logique. Et il a pas mangé depuis le matin non plus. Donc, on s'est pris une boîte de biscuits. Mm-hmm. Tu vas tout manger sûrement? Non. Je me réserve pour ce soir. Si vous avez entendu un bruit, c'était mon chargeur. On est arrivé, on voit la mer. Ouais. Ça recommence? Oh, ça va. Fait de la chance. Nous voilà arrivés au parking de Ella Phoenicia Beach. Nous arrivons ici, il est plus ou moins 16h, à ce qui paraissait le meilleur moment pour venir, car il y a beaucoup moins de monde. Si jamais vous venez plus tôt, eh bien, à mon avis, vous devez vous garer beaucoup plus loin. Nous, on est plus ou moins, à mon avis, à 5 minutes à pied de la plage. Il est encore fort mal, hein, mon loup. C'est joli, beaucoup de monde, le voie turquoise. J'ai pas encore vu le sable rose. Ici, le sable, il est un petit peu rose. Alors, c'est très joli. Il y a beaucoup de transats sur place. C'est 3€ le transat ou 10€ avec le parasol pour la journée. Voilà, ici nous on a la chance de pas trop de monde, mais normalement il fait blindé. Vous voyez plein de transats là. Donc voilà, c'est prévu pour qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Mais c'est magnifique. Plus on se croirait un peu aux Caraïbes. Secours, une tornade! Après être remonté, une tornade! Tu veux qu'on aille deux dans l'eau? T'as peur d'aller tout seul? Non. Allez, viens. Viens. Bah oui, bon, allez, va alors. Mais... Allez, allez. On veut voir, on veut voir, on veut voir, on veut voir. Tanan, tanan. Pas trop filmé. Hein. Quoi? C'est rien que pour moi. L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Eh, viens. On va dans l'eau, maman. Viens, papa. On va dans l'eau. Attention. Hé, premier petit frisson. Il faut qu'il se change. Ou rien. Oh, attention. Oh, je ne peux pas montrer. Allez. Oh, t'as vu ton maillot, il est tout nuancé. Mon maillot, c'est... M'a dit... Oh, grand Dieu, vous avez échappé la crise cardiaque. Et si je te le donne pas? Regardez. Il est tout nu. Bon, on s'est encore arrêté ici parce qu'il y a encore une jolie vue sur la mer. T'as pensé quoi de la plage? Belle plage, pas beaucoup rose, mais belle plage. Pas beaucoup rose à certains endroits parce qu'on va savoir qu'il est resté assis parce qu'il a mal encore au bassin de notre randonnée l'autre jour. Moi, je suis passé à des endroits où le sable était en effet un peu rose. Il est absolument interdit d'en prendre. D'ailleurs, il y a un panneau juste devant. Maintenant, si vous voulez en prendre, prenez-en. Mais moi, je n'ai pas osé. Voilà, maintenant, c'est pas que tout le sable est rose. Mais franchement, ça donne du charme à la plage. Il y avait énormément de vent. C'est pour ça qu'on est parti. Info. Pour aller à la plage est plus ou moins à 1h30 de Chania. Si pas 1h45, parce que nous on a 20 minutes de Chania. Donc plus ou moins 1h30, 1h45 de Chania. Et il y a un parking gratuit quand vous arrivez sur place. Et ensuite il faut marcher une longue ou une courte distance selon où vous êtes garé. Car il y a parfois beaucoup de monde et il faut parfois se garer très loin.
Voilà, il est conseillé aussi de venir avant 10h ou après 16h pour qu'il y ait moins de monde. C'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, chouette plage à voir, ça vaut la peine. Ce qui était bien, c'est que tu allais loin, mais tu n'avais pas beaucoup d'eau. Oui, c'est un lagon, donc on avait pied pendant une centaine de mètres, je veux dire. Donc voilà, l'eau était turquoise, c'était sympa. L'eau était un peu fraîche, mais on est au mois d'octobre. Alors, je suppose qu'au mois de juillet, août, elle doit être meilleure. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on prend la voiture et on retourne à l'hôtel. Non, non, non. Après. On va manger. Oui, oui. Il montre un peu plus d'enthousiasme, c'est ta raison de vivre. On va manger. Voilà. Regardez encore. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça, c'est pas normal. Allez, c'est parti. On a 1h30 de route devant nous. Bon, tu reprends la route? Oui, oui. Et tu conduis convenablement? Mais je conduis toujours convenablement. Non. Mais tu t'es vu? Les gens t'ont vu, je te signale. Il y a la preuve. Hein. Oui, mais ce que tu dis pas, c'est que moi aussi j'ai des preuves de mon téléphone et que tu as oublié de mettre sur ton, les blocs. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, regarde, tu vois, il y a des fils pour protéger si jamais il y a des chutes de pierre. Ah oui. Je trouve que c'est bien fait, c'est pas con. Non, c'est pas con. Par contre, la rue est très étroite. Oui. Et rendant le tour du cul. Danois. Pourquoi danois? Parce qu'il fait noir. Et dans le tien, il fait clair, tu penses? Bien sûr. Mm. Et tout éclairé. Regardez le canyon ici. Tu vois le. Oh, je suis malade. Il a envie de vomir tellement il y a eu des tournants dans la montagne. Oui. Il n'est pas bien, les deux doigts de gerbé. Oh. J'espère que ça va aller. Pense au restaurant, ça va aller mieux. Non, vraiment pas. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Tu veux pas de resto, on mange pas? Mais si, mais là, pour le moment, faut rentrer, quoi. Ça va? Oui. Tu vas mourir? Non. Promis? Nous sommes au restaurant. Comme d'habitude, avec le même prix. Hein. On vient de le mettre. Sorry. Préparez-vous parce qu'on va se faire péter la panse. On a commandé. La serveuse se souvient même du premier plat que Faux a pris quand on est arrivé. Et vous savez pourquoi, Faux, dis-le. Parce que j'ai tout mangé. Et que? D'habitude, les gens ne mangent pas tout. Lui, il est resté absolument plus rien. Et que l'os. Vous vous souvenez le grand truc là? Plus rien. Voici l'entrée. Alors. Ça, c'est l'entrée. Donc, un mezzé mixte, tzatziki, des boulettes fromage, boulettes normales, saucisses, feta. Là, c'est comme des petits beignets avec des épinards à l'intérieur. Ici, les beignets avec des épinards et du fromage à l'intérieur. Boulettes de fromage rôti et pain à l'ail. Bon appétit. Le plat maintenant. Une énorme côte de pain. 100 grammes. Et un gyros énorme aussi. Pour moi. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo. Nous on est tranquille, rentrés en train de digérer nos plats délicieux que nous avons mangés dans ce restaurant. C'est toujours le Olivier. On a pris l'habitude d'aller là régulièrement. Voilà. Et on se rejoint demain pour de nouvelles aventures. Je dirais la dernière aventure de ces vacances-ci. Nous allons voir la plus belle plage de Crète. À demain les amis.